Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un nouveau ton. On va parler comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'avais envie d'avoir une voix un peu comme ça. Alors qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Il va se passer que... On reprend notre histoire avec ce bon stégosaure pour tuer des Deinosuchus. Non, moi ça m'a matrixé là, cette histoire de Deinosuchus. Non, en gros l'idée ça va être quoi? Ça va être de se battre, hein, et de... d'essayer de faire du bon jeu. On connaît le bon jeu sur cette chaîne. Même si on n'y arrive pas forcément à chaque fois, mais on essaie de le faire en tout cas. Je vous le dis, il y a quelque chose qui est certain. Ce stégosaure que vous voyez ici sera mort à la fin de la vidéo. Et écoutez-moi bien. Quoi qu'il en coûte. Ouais. En gros, je suis en route pour Twins Lake, où, je pense, j'espère, qu'il y aura du monde, parce que sinon, ça m'aura fait un trajet... Pour rien, et vous savez que cette carte est plutôt grande, parce que les développeurs de jeux vidéo adorent faire des cartes immenses. Donc, c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur de se déplacer avec ce camion à deux à l'heure sur une carte qui fait la taille de ma... Donc du coup, ce que je fais là, c'est que je spam colle. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Bref, je fais ça en permanence pour attirer le chaland. Mais on est sur Teutonic 1 et il n'y a que 54 joueurs. Je sais pas si vous le savez, mais je suis pas un joueur à vue. Et vraiment, quand je suis en herbivore, je sais pas quoi faire. Je l'ai un peu testé au début là avec le troupeau et tout, d'accord. Et je suis pas fait pour être un herbivore. Il me faut une vie de lion. Vivre vite, vivre fort, mourir vite, mourir jeune. Oh, il y a un cri. Venez vous battre. Il est là-bas le con. Viens là! Viens te battre! Je te vois, t'es un petit point! Bagarre! On n'est pas sur Everyman, je peux pas y aller et leur mettre un coup de queue dans la tronche comme ça là, sans aucune raison en fait. C'est vrai, il y a des règles ici là. Bon, tant mieux, vous allez me dire, Everyman, les règles, c'est vraiment ce qui manque parce que c'est n'importe quoi. Vous faites quoi les gros? Vous voulez vous battre? Vas-y! Regarde-moi! Hyper agressif! Il protège une IA lui aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Eh, tu me fais un cri agressif, je te défonce. Voilà. Lui devant moi, pauvre Dilo. Ouais, bon. Je pense que c'est pas contre lui qu'on va se battre. Hein. On fait le point. Contre quoi on pourrait se battre? Un groupe de Dilo, ça m'a mis super cher. S'ils avaient bien joué, je serais mort. Un groupe d'Utah. Je pense que le groupe d'Utah, c'est le truc le plus simple. Parce qu'ils mettent pas beaucoup de bleed. Et en même temps, ils mettent pas beaucoup de dégâts. Et en même temps, je les tue facilement. Donc, un groupe d'Utah, ce serait le top. Mais du coup, ils me tueront pas. Et ça sera un combat où je gagnerai. L'objectif du combat, c'est quand même de crever à la fin. Un groupe d'Allosaures. Peut-être un peu trop vénère, je pense. Ils vont me tuer trop rapidement, je pense. Après, je pourrais les tuer aussi. Un groupe d'acrocanthosaures, c'est mort. Un groupe de direct, c'est mort. Un groupe de giga, c'est mort. Un groupe de succo, je pense que je me fais éclater. Un groupe de cerato, ça pourrait être bien. Ça pourrait être vachement intéressant comme combat. Je pense que je les défonce. Mais s'ils jouent bien, ils peuvent me tuer. La question est-ce qu'on va pas tomber sur un direct s'il va nous démolir? Et... What le petit taco? What le petit taco? Tu veux quoi, le petit taco? What le... Ou alors la question c'est est-ce que on va pas mourir noyé là? Devant là. C'est quand même dommage. Mais je vous le dis, hein, quoi qu'il en coûte. Ah, pas de problème. C'est un bon nageur le stégosaure. Il est fait pour, hein. Ça se voit. Regardez cette silhouette fuselée. Bref. Bon, on va à Twins Lake, hein. Du coup, je sais pas si je l'avais dit, mais on va à Twins Lake. Parce que c'est l'objectif qu'on s'était donné dans la dernière vidéo. Et je pense que c'est un très bon endroit pour en finir. Avec du bon combat. Avec du bon combat, mais en espérant qu'on ne tombe pas sur un Tyrannosaurus Rex ou un Giganotosaurus. En espérant qu'il y ait du monde. Oh, un lag. Il y a quelqu'un qui s'est TP. Ça m'a l'air très calme. Hein. Ça m'a l'air très calme. Je fais que crier. Il n'y a personne qui me répond. Ça m'angoisse un peu en fait. Je me dis qu'il n'y a personne ici en fait. Ah! Un Utah! Non mais bon, un Utah tout seul, il va jamais venir m'affronter, c'est impossible. À moins que ce soit Sticky Utah, le pro player de l'Utah. Il y a quoi là? Un Ceratosaure! C'est exactement ce que je voulais! Ah mais dis-moi que t'es en groupe, frérot.
Dis-moi que t'es en groupe. Vas-y, ose. Ose m'attaquer, bougre. Allez, viens là. Ils sont où tes potes? Ils sont où tes potes? Non, en vrai, c'est cool, hein, s'il y a des trucs, là. There was a sub-rex 20 minutes ago. Ok. Bon, ouais, il me dit qu'il y avait des... y a pas de carni, y'a rien chez lui, c'est la mort. Et toi? Là, t'es dans mon cercle de bienveillance, attention. Voilà. Oh, y'a du monde ici. Ok. Ouais, t'as peur de moi. Moi, je suis trop fort. Thanks, bro. Ouais, c'est ça, ouais. Y'a quoi? Y'a Mixpack ici? Ultra Serato? Et alors, on va faire respecter l'ordre ici, pas de Mixpack. C'est quoi cette amitié qui ne devrait pas exister? Mais il me dédaigne. Il me dédaigne absolument, quoi. Pourquoi dans The Edge, je tombe que sur des joueurs qui sont stun? Peut-être propre à la commu, je sais pas. Mais là, c'est vrai que... Un texto! Ah! Ok, le soleil se lève enfin sur l'île V3 et sur Teutonic. Et je suis accompagné maintenant de ça. Ah bah, j'ai un peu spoil. Je suis accompagné de eux. Mais taisez-vous, vous spoilez aussi. Il y a eux aussi, là. Il y a les petits Utah qui osent pas m'attaquer. Et il y a eux. Voilà, qui osent pas attaquer non plus, qui ont bouffé un bébé Terry. Et en gros, là, j'ai cherché les embrouilles à tout le monde. Il y a personne qui a osé m'attaquer. Donc les accros, je comprends. Parce que lui, il y a deux adultes, en gros. Il y a, je vais vous montrer ça. Ça va peut-être les faire péter un câble, je sais pas. Il y a lui. C'est un adulte, mais il est fracassé. Là, il y a un bébé. Là, il y a un jeune. Et il y a que lui, en termes d'adulte, qui est en forme. En termes de seul adulte, il ne va absolument pas m'attaquer parce que lui, celui qui est là, en fait, il a 4 heures de régène, tout simplement. Vous voyez comme il est éclaté et du coup, bah, lui, tout seul, il va pas oser m'attaquer seul, hein, évidemment, parce que je pense que je suis beaucoup, 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 beaucoup trop fort pour lui. Donc, ils vont pas m'attaquer. Même quand ils étaient en groupe, ils vont pas attaquer. Les Utah vont pas attaquer. Il y a personne qui m'attaque. Personne ne veut m'attaquer. Oh, il y a un Nava. Et lui, non. C'est bon, on reste calme. On les a protégés, les Ava. On va essayer d'être un peu cohérent. Difficile. Personne ne veut se fighter contre mon Stegosaur. Donc, bah, écoutez, on va continuer à attendre. Ça y est, enfin. Enfin. Un T-Rex. C'est l'amour assuré. Non, mais en vrai, ouais, T-Rex. Lui, il peut m'attaquer, il peut me démolir. Mais bon, voilà, c'est toujours pareil. Mourir avec les T-Rex, c'est un peu dommage. Mais ouais, là, ça a mis la pression à tout le monde. J'ai juste entendu crier, je faisais autre chose. Non, non, crie agressif. Vas-y, viens te battre. Viens te battre, le T-Rex. Vas-y. Là, tout le monde qui s'est levé, hein. Tout le monde a eu peur d'un coup, allez. Tu fais quoi, le T-Rex? Viens là, viens! Oh, tu vois pas, je suis ultra agressif! La question est. Est-ce qu'on va pas tomber sur un T-Rex si on nous démolir? Ah ouais, ça y est! Eh, le Terry! Yo le Terry! Quoi qu'il en coûte? Yo le Terry, viens m'aider! Ah vas-y! Le mec il vient pas! Quoi qu'il en coûte. En vrai, c'était vraiment prévisible. Il y avait personne qui osait m'attaquer. Et il y avait forcément qu'un Apex qui allait oser m'attaquer. Et un Apex allait me tuer. En fait, c'est un peu dommage. J'aurais aimé faire mieux. Mais les joueurs, ils tiennent trop à leur dino. Du coup, personne n'a s'attaqué. J'ai traversé la map. De long en large, en travers, j'ai croisé des trucs. Des allosaures. J'ai croisé des acrocantes. J'ai croisé des Utah. J'ai croisé des Dilo. Et en fin de compte, les seuls qui osent attaquer, c'est ceux qui sont sûrs de gagner, c'est les Apex. Franchement, le gameplay Herbie, il est pas fait pour moi. C'est trop lent, c'est trop mou. Vraiment pas fan. Donc la prochaine fois, vous me retrouverez en Stego, ça sera sur Evrima. Ou en vrai, on peut attaquer, on peut faire à peu près n'importe quoi. On peut vraiment tester la bête. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et ciao tout le monde. C'est de la poudre de perlimpinpin. 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 C'est de la poudre de perlimpinpin.